Togo Info. Le Togo à votre portée. Le ministre Yack trouve curieux que vous organisez ce meeting aujourd'hui le 23, au même moment où certains frappaient le pays. Et ce meeting a été fait de façon pacifique. Les gens sont venus pacifiquement. Il n'y a jamais eu de remous. Vous avez vu ce qui s'est passé à ce meeting. Et les gens sont en train de rentrer chez eux. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? S'il a des éléments probants, qu'il les présente, nous n'avons pas peur. S'il a des éléments probants qui attestent que le Front Citoyen Togo Debout a ou est impliqué dans des manœuvres subversives, qu'il le dise et on verra ce qu'il y a lieu de faire. Mais rester là à proférer des choses qui sont inadmissibles, ça nous disons non. Et nous demandons au ministre de réfléchir à chaque fois qu'il doit adresser ce genre de menace ou ce genre d'adresse à l'endroit du Front Citoyen Togo Debout. Nous sommes des gens responsables. Nous ne sommes pas des gamins, nous sommes des gens responsables. Nous savons ce que nous voulons pour notre pays. Et nous allons l'obtenir. Mais par des manœuvres, c'est toujours l'émotion, excusez-moi, de façon pacifique, en restant dans la légalité. Nous leur dirons à chaque fois qu'ils font mal, qu'ils ont mal fait. Et nous ferons en sorte que ce changement que nous avons tant espéré, il advienne en 2020.